Pascal Pro et vous. Laurent Tessier. Bonjour à tous, c'est important de se dire bonjour avec un ton particulier. Alexandre Omar, monsieur Omar l'a bien compris en début d'émission. Oui, bonjour à tous, je suis une grande admiratrice de Fabrice Lafitte. Très flippant. Il est important aussi de démarrer l'émission avec un peu de culture générale. Les chats sont nyctalopes. Ah oui, voir la nuit, c'est pas ça? C'est ça. Oui, c'est pas voir la nuit, c'est qui a la faculté. Ça donne envie, tiens. Et oui. C'est chaud, dites-moi. Bon, nous savons aussi quelle chanson a été très écoutée en soirée ce week-end par Pascal. J'étais dans Saint-Germain-des-Prés, samedi. Et je Qu'est-ce que vous faisiez? Je me baladais. D'accord. Sur la menu. Le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Ah bon? N'importe qui, n'importe quoi. Encore. Et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Je me baladais sur la menu. Pas mal, bien placé pendant l'émission. Bon, certains ont trouvé une autre vocation ce week-end. Alors que nous parlions de grosses voitures, Dame GG s'est révélée. Ce n'est plus désormais Dame GG commente. Non, c'est GG consulte tout. C'est Docteur GG. Très étrange, elle a été jaune en plus. C'est pour se montrer, quoi. C'est pour s'afficher. Je trouve que j'aimerais pas, moi j'aurais roulé là-dedans. Justement, ces personnes demandent de l'attention, je pense. Mais c'est possible. Merci beaucoup, Docteur GG. Un membre de l'équipe pourrait consulter Docteur GG, c'est Monsieur Boubou qui a quelques petits soucis d'audition, j'ai l'impression. Les films muets, je ne sais pas si Olivier Guénec en a vu plusieurs. Des films muets, il voit un film muet quand il baisse la télécommande, sans doute. Voilà. Problème d'audition vient de la télécommande, tout est résolu. Sinon, à 7h15 ce matin, et même à 8h, et même encore d'autres fois... Je salue. Et je lui dis depuis 8h ce matin que j'ai une surprise pour lui, Laurent Tessier. Bonjour à tous. Cher Laurent. C'est quoi? J'ai une petite surprise pour vous. Ah, est-ce une augmentation de plus 40%, un week-end offert, une arrivée dans l'équipe du FC Nantes? Je tremble. Je suis allé voir ce week-end un film qui s'appelle « Quand vient l'automne » de François Ozon, que je conseille aux auditeurs parce que le film est vraiment très réussi. Oui, mais encore, je ne vois pas où est ma surprise. Il y a Laurent Tessier dans le cinéma français. Eh oui, je vous ai caché des choses. C'est ça votre surprise? Bah oui. On s'attendait à un matin, truc de vous fou, nous en parlez. Je vous ai peut-être caché des choses. Bah non, mais Laurent Tessier... Mais c'est mais nul. Non, mais c'est un personnage, vous inspirez la fiction française. Merci. Mais Laurent Tessier est un personnage de cinéma. Merci pour tout. C'est nul. Allez, le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Curieux que vous disiez que ce soit nul. C'est pas nul du tout. C'est vraiment très intéressant. C'est la pire surprise. Mais oui, c'est alors, très intéressant. Une surprise pour Céline Géraud, oui. Une autre chanson. C'est un Céline Géraud qui fait des impro-lycéos. Céline Géraud, 18 ans. Ouais, c'est pas du tout répété, c'était mauvais. Mais bon. T'es même pas au courant de ça. Mais oui, je ne connaissais pas les paroles il y a une minute.